Coucou à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau weekly vlog. J'avais envie de le commencer, aujourd'hui on est jeudi, donc je pense que je terminerai jeudi prochain à peu près. Alors mes enfants sont en vacances, puisque dans le nord ce sont les vacances depuis déjà quelques jours, donc ma fille est en vacances parce que mon fils ben, il va pas à l'école, donc voilà. Ça se passe bien, mais ça faisait deux jours qu'on n'était pas sortis, donc ce matin on est enfin sortis de la maison. Je peux vous dire que ça fait du bien, en plus il y a un grand soleil, donc ça fait du bien, ça fait du bien, ça leur a fait du bien. On est parti chercher des courses à gros Chrono Drive. Je ne suis pas sponsorisée, hein, je précise, mais voilà. Je sais que vous êtes beaucoup de mamans à me regarder et je sais qu'il y en a qui n'aiment pas les courses. Moi, c'est vrai que j'adorais faire les courses avant. Maintenant que j'ai des enfants, c'est le calvaire. Hein. Faut trouver le moment stratégique pour faire les courses et tout. Donc j'avoue que tout ce qui est en drive, j'adore. Donc je fais souvent Auchan Drive. Et là, j'ai testé aujourd'hui Chrono Drive, parce qu'on avait 10 euros de réduction des 50 euros d'achat, donc ma foi, c'est toujours ça de sympa. En plus de ça, ils nous ont offert des petits cadeaux, donc il y avait une balle rebondissante pour les enfants, mais surtout, pour maman et ma fille, des chocobons. Je trouve ça trop bien comme cadeau. Non mais c'est un beau cadeau de bienvenue, ça. Et un petit truc pour mettre sur le frigo, vous savez, comme ça, là. Un petit truc magnétique avec un petit stylo pour écrire les courses et machin, les trucs. Donc bah, pour l'instant conquise hein, de ma commande, j'ai acheté tout ce qui était fruits de saison, artichauts, j'ai acheté des patates douces, enfin voilà, des petites choses comme ça, des yaourts parce qu'il n'y en avait plus trop, des yaourts nature pour refaire des yaourts nature, parce qu'avec ma fille on est en mode on fait des yaourts nous-mêmes et d'ailleurs elle les mange tous, elle les adore, donc tant mieux hein. Tant mieux, la yaourtière d'ailleurs c'est mon papa qui me l'a donné, donc c'est cool. Même si j'en ai vu des pas très chers à Lidl en ce moment, donc si ça vous dit, il y en a à 8 euros. Si ce vlog est encore vite en ligne, vous aurez l'info tout de suite. Là je vais manger, après je vous montre les petits craquages qu'on a fait chez Action, parce que oui, avec ma fille. Ma fille quand elle voulait sortir, elle m'a dit maman viens on va au magasin, je sais pas où l'emmener, et je vous avoue que bah, le premier magasin qui m'est venu à l'esprit c'est Action. Puisqu'il y a des trucs pas trop chers et j'avais 2-3 petits trucs à acheter pour la maison, donc je me suis dit bon allons-y avec elle. Et ils sont assez calmes quand je les emmène avec ma Action, parce que je donne à mon fils et à ma fille accessoirement, vous savez, les fameux fruits, bouf, je fais toujours tout tomber, fameux fruits d'habitude que je prends, mais là il n'y en avait pas, donc j'ai donné ça. C'est un petit peu moins bon je trouve, mais mon fils il adore quand même, donc ça l'occupe pendant une heure dans le Action, et puis on est tranquille. Donc on a acheté quelques trucs, je vous montrerai ça tout à l'heure. Et là je vais manger, j'ai trop faim. Mon repas de ce midi, j'avais envie de trucs un peu frais. Là il y a un peu de soleil, donc je sais pas, j'avais envie de salade. Donc tomates, avocat qui vient de Chrono Drive là. Des petits morceaux de poulet, allumettes de poulet déjà pré-cuites. La petite sauce vinaigrette de chez Lidl que j'aime beaucoup. Un petit Minute Maid que je vais boire après. Je pense me rajouter ça là, c'était à Action, on a trouvé ça avec ma fille. Je crois qu'elles ont pas l'air salées. Donc je vais peut-être m'en rajouter quelques morceaux là-dedans. Et puis après, bien sûr, il faudra que je fasse mon test du diabète. Hein. C'est toujours là, hein, toujours d'actualité, malheureusement. Bon, j'inclus mes petits achats Action dans ce vlog parce que je vais essayer d'aller vite et j'ai pas envie de faire une vidéo spéciale pour ça. Mais j'ai trouvé des petites merveilles comme ça à 9,95€, donc 10 euros, des sortes de tapis. Alors, vous pouvez mettre votre bébé dessus, mais moi, j'ai bien l'intention de le mettre sous les tipis, en fait. Là, pour l'instant, j'ai fait un petit micmac pour mon fils, pour son tipi. Mais je vais devoir le récupérer pour bébé 3, puisque c'était le tapis d'éveil de bébé 3. Et là, c'est comme des tapis d'éveil, sauf qu'il n'y a rien. Hein. Mais du coup, ça, je me dis que dans le tipi, c'est une sorte de petit tapis un peu mout-mout, couverture un peu épaisse, comme ça, que vous pouvez mettre un peu où vous voulez dans la chambre des enfants. Et ça sera parfait dans le tipi de mon fils et de futur bébé, du coup. Comme ça, je pourrais récupérer ce que j'avais mis dans le tipi déjà. Et comme ma fille, vous avez vu la dernière fois dans ma petite vidéo, je vous la remettrai par ici, ma vidéo haul Action Jiffy. J'ai acheté un nouveau tipi pour elle en version rose. Donc, je lui ai pris aussi ça pour mettre dans son tipi. Bon, là, bien sûr, ils vous mettent un bébé, hein, mais vous faites bien ce que vous voulez avec. Et ils sont pas mal du tout. Ils font 80 sur 100 cm. Alors, je les ai pas dépliés, j'ai touché la matière. Pas extrêmement doux, c'est un peu du tissu synthétique, hein, vous voyez. Mais je trouve que dans un tipi, il faut mettre quelque chose comme ça, parce que sinon, mon fils, il se jette dedans. Donc s'il n'y a rien, je vous dis pas la catastrophe. Alors, heureusement que je mets un petit truc mout-mout et plein de poussins. Donc je pense que je vais faire pareil pour ma fille, mais le sien, je vais pouvoir le ranger pour son anniversaire. Si vous avez bien suivi la dernière fois, haul. Je vais aller très vite. Hein. J'ai pris des petits trucs pour mon fils, voilà, pour dépanner dans sa chambre, des sacs à couches et des petites lingettes comme ça pour essuyer les mains. J'ai trouvé des petites... alors ça c'est... moi j'ai, en tout cas c'est la première fois que je les vois dans mon Action et je sais que ça fait longtemps qu'ils y sont. Des sortes de barres de céréales comme ça, coco, nuts, et celle-ci au chocolat blanc et là au chocolat
au lait. Donc c'était pas très très cher, 1€, je crois 1,05€. Je me suis dit pourquoi pas, j'ai repris ça pour dans ma cuisine, pour dans mes placards parce qu'il m'en manquait un grand. Je voulais le moyen mais il n'y avait plus, il ne restait que les petits. Ils sont à 3,99€, pas donné mais il m'en fallait un. On reste dans les petites babioles qui ne servent pas à grand chose, de, voilà, des petites lingettes nettoyantes pour la maison. Je sais que c'est pas très écologique mais je vous avoue que pour nettoyer la table après le passage des enfants c'est toujours pratique. Des petits cotons pour les fesses de mon fils parce que je vous avoue que je suis pas encore pour débarbouiller le visage, j'utilise des lingettes qui se lavent. Mais pour les fesses, j'ai pas encore osé les lingettes qui se lavent, hein. Peut-être que j'y arriverai un jour. Quelques petits cotons-tiges pour dépanner, mais voilà, c'est pas primordial. Des petits princes comme ça, en petit sachet, je me suis dit que ça pour mon fils à 4 heures, parce que comme vous savez, il mange des spéculoos à une vitesse grand V, donc là il n'y avait pas de spéculoos. Donc j'ai pris ça, on testera. Et après, ce sont que des petites babioles de scrap et un truc. Alors j'ai trouvé ça dans un rayon. Qui n'était pas du tout dans le rayon bijoux, mais ça me plaisait bien, donc voilà. J'ai des petits joncs comme ça, très mignons. Donc je sais pas du tout combien coûter, mais je les ai pris. Ma petite Mélanie, si tu passes par ici, je t'ai pris ça, parce qu'elle les voulait. Je les avais mis en concours hein, sur mon Insta. Je vous remets mon Insta en barre d'infos si ça vous dit. Même ici, il y a le concours pour gagner des stickers de chez Action. J'ai trouvé ça, alors c'est des crayons un peu colle transparente, mais vous pouvez faire des effets glitter avec, mettre de la poudre pailletée et ça collerait la poudre pailletée. Je sais pas, j'essaierai peut-être avec la poudre, mais c'est surtout en version colle hein, pour coller tout ce qui est stickers, etc. dans mon Happy Planner, Memory Planner, je me dis que ça peut être pratique, même si j'essaye, hein, comme je vous ai dit la dernière fois, de trouver des choses de meilleure qualité. Mais voilà, je voulais tester, hein, c'est mon âme de testeuse. J'ai trouvé deux carnets comme ça avec des cartes. Ça, j'en avais trouvé la dernière fois en format plus petit. Avec des cartes comme ça que vous pouvez envoyer. Elles sont juste magnifiques. Il y a du foil. Que ce soit pour envoyer ou pour décorer aussi vos albums de scrap, je les trouve magnifiques. Il n'y avait que deux styles différents. Voilà pour vous montrer un peu le style. Elles sont juste magnifiques, non? Et il y en a deux de chaque à chaque fois, je pense. Ouais. Oh! Trop trop belle, trop belle, trop belle, trop belle, trop belle. Non mais c'est juste magnifique ça. Trop belle, c'était 99 centimes. J'ai retrouvé, alors je voulais pas craquer pour les gros albums comme ça, mais je vous avoue quand il y a du noir, du blanc et du gold, j'ai du mal à résister. Je crois que c'est 1,99 ou 1,89. Et là, à chaque fois, vous avez une page match, une page avec du foil. Du coup, bah... Je vais vous montrer, voilà, par exemple celle-ci, elle est avec du foil, j'aime beaucoup. Bon après c'est beaucoup de motifs, hein. Faut aimer les motifs, il y a pas mal de motifs comme ça, un peu plein de styles différents, mais ça restait quand même, comme ils disent, basique, et j'aime beaucoup ce style de couleur. Toujours en scrap, j'ai repris ces petits trucs-là en attendant d'en trouver des mieux, parce que ben, là j'ai pas encore eu le temps d'aller chez Cultura ou quoi pour aller m'acheter de meilleure qualité. J'avais envie de prendre deux planches à embosser comme ça, avec vous savez, c'est dans la Big Shot, vous les mettez, ça vous fait des formes sur vos papiers. Donc à 99 centimes, je me suis dit pourquoi pas. Alors j'espère que ça marche bien, faut que je regarde. J'espère que ça marche d'ailleurs sur ma truc. Ils appellent ça une plieuse à gaufrer pour le gaufrage du papier. Bon, ça devrait marcher. J'ai trouvé les stickers que ma copine Mélanie de la chaîne Happy Together 17 avait vu et que moi je n'avais pas vu la dernière fois. Donc là, je les ai trouvés. J'en ai pris une planche de chaque, de ceux que j'avais pas en fait. Hein. J'ai été raisonnable, j'en ai pris qu'une hein, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup en fait. Je crois qu'il n'y en avait plus qu'une de chaque. Donc voilà. Je suis ravie. Les bijoux là, ils étaient à 1,59€. Pas cher, hein. Après, je sais pas, c'est pas de la haute qualité, mais bon. Ils m'ont l'air bien, il y a un petit cœur et tout. Je me dis qu'on va faire un petit attirail avec tout. Ça peut être plutôt cool. Ils sont trop beaux. Je suis trop fan des joncs en ce moment. Et voilà le rendu des bracelets. Alors ils sont un petit peu grossiers, c'est-à-dire un peu grands, un peu gros, mais. Mais ils sont jolis quoi, ils sont moins raffinés que celui-ci qui vient d'une bijouterie quoi, vous voyez. Mais bon, après si vous mettez tout ensemble ça fait ça, donc peut-être en mettre que deux, à voir. Mais ils sont plutôt sympas, sinon on peut les resserrer un petit peu si on force un peu. Et je voulais vous montrer ma petite manicure pendant que j'y suis, c'est des faux ongles de la marque Impress. Je vous remontrerai la boîte peut-être à l'occasion, mais je les aime trop, ils sont trop beaux. Mes ongles étaient un petit peu abîmés, donc j'ai décidé de mettre des petits faux ongles là, parce que ça, ils me saoulaient mes ongles. J'arrivais pas en ce moment à les manicurer. Je sais pas si vous arrivez bien à voir. Ouais, ça a l'air d'aller là. Ils sont plutôt pas mal. Hein. Ils sont très agréables à porter et ils durent à peu près une à deux semaines. Ça dépend comment vous en sortez. Et là, comme vous voyez, je saigne parce que en ouvrant ça, j'ai réussi à me couper. Un gros boulet.
Coucou, aujourd'hui on est vendredi, dernier jour de la semaine sans Papounet qui est au travail. Hein. Je voulais vous montrer mon petit bidon aujourd'hui. Alors je me suis maquillée d'ailleurs avec la palette New Nude de Huda Beauty. Je l'ai ressortie parce que comme j'aime bien mettre mon petit haut rose, ben voilà. Vous êtes nombreux à me dire que le rose ça me va bien autant, faut vraiment que j'investisse dans d'autres plus roses. Hein. Bon allez, je vous montre mon petit bidon. Et le voici. Alors il est plutôt gros quand même pour cette troisième grossesse. Hein. Je trouve qu'il est plus gros que d'habitude, après peut-être pour vous ça sera pas beaucoup, hein, j'en sais rien. Mais je sais pas si vous verrez quelque chose parce que bien sûr nous avons une luminosité tout à fait parfaite. Ah peut-être que là on voit mieux. Je sais pas si vous vous rendrez compte. Voilà, là on voit peut-être un peu mieux. Voilà mon gros bidon. Est-ce que vous aussi vos enfants quand ils jouent, ils en mettent partout? Ah, c'est le bazar, Kayla, il faut que tu ramasses. Vite, vite, vite. Bébé. Coquin. Coquin. Allez ma chérie, au renvoi de ta soeur. C'est bien. Va aider, va ramasser les livres au Ran, s'il te plaît. Regarde, va ramasser le livre. Voilà, va ramasser le livre, tu vas ranger? Tu vas le ranger, Oran? Là, je te jure, lui et les livres, une grande histoire d'amour. Maman, j'ai fini. Donc là, tu penses que t'as fini? Hey, je vous retrouve. Mes enfants ont fait la sieste, là, ma fille est réveillée, donc j'en profite, j'ai 5 minutes. Alors, mon histoire de blog, je sais pas si vous en avez parlé, mais j'étais trop saoulée. Je vous en avais pas parlé sur le blog, mais j'en ai parlé sur Instagram. N'hésitez pas à me rejoindre dans mes Insta stories. Où je raconte aussi un peu ma vie hein, quand même. Faut dire. Et du coup, j'ai eu un souci avec mon blog. Tous mes commentaires, enfin tous les commentaires que vous avez laissés, ceux qui me suivent surtout sur le blog, il y en a beaucoup qui me suivent sur les deux, et vous avez été nombreux à réagir sur le blog avec mes petits articles où vous commentiez. Mais comme on utilisait tous, que ce soit moi et vous, Google+, tous les commentaires entre 2015 et 2019, hein, début 2019, ont été supprimés. C'est-à-dire que sur mon blog, il y a mes articles, hein, mais il n'y a plus aucun commentaire. Il y avait des articles où il y avait plus de 40 commentaires, il n'y a plus rien. Donc merci Google+, hein. Donc je suis saoulée, j'ai essayé de trouver une solution hier soir et tout, c'est pour ça que j'ai pas reblogué, mais j'ai rien trouvé comme solution, donc ça m'a bien pris la tête. Alors il y a des copinotes qui sont trop adorables, qui sont reparties mettre des petits commentaires et tout, mais bon... Merci Lily d'ailleurs si tu passes par ici. Si vous avez envie de retourner faire un petit tour sur le blog, je vous remettrai ici le lien. Et dans ma barre d'infos, comme ça si vous avez envie de remettre des petits commentaires. Mais vraiment, ça saoule parce que en plus il y avait des articles, par exemple mon article Maman Solo qui avait fait un peu de débat. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient énervés contre moi, etc. Et je trouvais ça très sympa d'avoir des commentaires un peu plus constructifs ou même négatifs, sans être violent. Et du coup, bah il n'y a plus rien. C'est le désespoir. Alors j'ai réussi à récupérer vos commentaires, mais bon, si moi je les remets, en fait c'est comme si c'était moi qui les mettais, enfin, j'arrive pas à retransférer pour qu'ils soient remis normalement dans mon blog, enfin c'est compliqué. Faut vraiment que je me penche sur mon blog et essayer de faire un vrai blog avec le nom de domaine, etc. Enfin, faut que je me penche dans l'histoire. S'il y a des blogueuses dans le coin, n'hésitez pas à venir me conseiller, parce que je suis tout ouïe, hein. Bon, j'ai un petit colis à vous montrer que je viens de recevoir, j'en ai deux, mais le deuxième je vais le prendre en photo, je vous montrerai ça sur Instagram. Et j'ai reçu un petit colis de MAC qui s'est associé à Bumble Bumble. C'est un petit trio en fait, on a trois produits. Et en fait il y en a un des trois là que j'avais déjà reçu dans une Birchbox je crois, je ne suis plus sûre. Du coup je l'ai bien aimé et bon, je l'ai pas terminé encore mais je me suis dit pourquoi pas. Donc Bumble et Bumble, j'aime beaucoup leurs produits capillaires. Alors je sais pas si la compo est top hein. Je vous avoue que j'en sais rien, et puis sachant que là il y a une protection UV, je pense que la compo n'est pas top. Mais j'avoue que ce sont des produits pour les cheveux bouclés qui sont plutôt sympas. Donc là c'est le Happy Earth Day, donc le genre de l'anniversaire des cheveux. Et vous avez dedans une base thermoprotectrice anti-UV. Et ensuite une... qu'est-ce que c'est que ce truc? Une huile invisible. Ça a l'air plutôt pas mal. Je vous montre de plus près.
Donc c'est des petits formats, mais moi ça me dérange absolument pas parce que je me dis que ça me permettra de continuer à tester en profondeur. Et du coup là ça c'est plutôt cool, c'est une sorte de primer pour le cheveu que vous pouvez mettre avant d'utiliser vos fers à lisser ou d'aller dehors. Enfin voilà, c'est une base protectrice pour cheveux secs et très secs, donc ce qui est vraiment mon cas hein. Et parce que les cheveux bouclés sont particulièrement secs et très secs. Et alors là c'est marrant, c'est un tout petit contenant, une petite huile comme ça. Assouplie, satine, donc te discipline les frisottis, bah, ça serait peut-être bien pour moi parce que je sais pas si vous constatez que j'ai un paquet de frisottis, ça m'énerve. Démêle et protège de la chaleur et des UV. Donc vous pouvez l'utiliser avec tout ce qui est fer à lisser, etc. Donc bah, voilà, je suis contente de pouvoir tester ce petit duo. Et alors avec, on avait le rouge à lèvres, le Ruby Woo de MAC. Et c'est un mythique hein, chez MAC hein, celui-ci, donc je suis ravie. Est-ce que je vais réussir à le sortir? Donc vous le connaissez sûrement tout, hein. Je vais pas faire de swatch parce que j'ai pas envie. Mais il est trop trop beau, c'est vraiment... Alors je suis pas une grande fan du rouge, mais on va dire que j'en ai au moins un ou deux de bonne marque et de bonne qualité dans ma rouge à lèvres tech. Je sais pas si ça se dit, mais dans ma collection de rouge à lèvres. Et là du coup bah, le MAC se rajoute à ma petite collection, donc je suis ravie. Merci en tout cas à la marque hein, de m'avoir tout envoyé, ça c'est plutôt cool. Donc voilà pour mon petit colis du jour, et puis bah, le deuxième je vais l'ouvrir après, hein. C'est une box beauté que je vous posterai sur Instagram comme je vous ai dit. Bon allez, j'entends mon crapouillou qui commence à chouiner, donc j'y vais. Donc on est samedi soir avec ma tête de complètement déterrée, c'est samedi soir. Je vous ai montré quelques images de notre petite balade aujourd'hui en famille. On a profité du soleil, il fait une très très belle semaine, beau soleil. Et on est parti faire un petit tour à Floralux d'Adizel, un truc comme ça en Belgique, qui est une sorte de magasin un peu déco. Beaucoup de plantes, et les plantes en Belgique sont paraît-il meilleure qualité et surtout moins chères. Donc nous avons acheté une plante d'intérieur, comme ça je ne sais pas exactement comment elle s'appelle, je regardais tout à l'heure, mais voilà, une petite plante d'intérieur qu'on voudrait peut-être mettre à côté du canapé pour égayer. D'ailleurs tout de suite là, une plante dans une maison ça change tout, donc je pense qu'on y retournera pour en prendre d'autres, parce que là ben, on est arrivé à 5h30 et ça fermait à 6h, oui ça ferme très tôt en Belgique. Je ne savais point cette petite chose là, et on a acheté une autre petite plante pour mettre dans notre cuisine. Elle est où? Où est-ce que je l'ai cachée, ma petite plante? Je ne sais même plus. Ah, elle était posée là. Une petite plante pour mettre dans notre cuisine. Vous voyez, des petites plantes assez basiques comme ça, avec un petit pot beige qui coûtait pas grand chose. Hein. J'ai dû l'avoir pour 3 euros pour ce petit lot là. Je sais qu'on en trouve dans le même style chez Ikea, mais bon, voilà, ça ira dans le coin là-haut de la cuisine. Mais je vous montrerai ça plus tard. Et j'ai craqué pour des petites babioles de Belgique parce que il y a tout un stand vers les caisses qui est très. Comment dire, très tentatif. Plein de tentations. Et voilà les tentations, voilà, hein, voilà. Des fruits, vous savez, je sais plus comment ça s'appelle ces fruits-là, là. Des fruits un peu... j'ai un trou de mémoire, mais voilà, il y a des fraises, des fruits exotiques, du kiwi, enrobé de sucre un petit peu, hein. Ces petites conneries-là, de maïs, là, grillé, ça j'aime beaucoup, je sais qu'il y en a chez Action, mais voilà, j'ai craqué là-bas. Et on a pris des énormes gaufres comme ça de Liège, mais elles sont juste énormes. En paquet individuel, mais je me suis dit que demain, les faire un petit peu toaster et un petit peu Nutella, ça pouvait être pas mal comme petit, soit petit déjeuner, soit 4 heures. On verra, mais elles avaient l'air de top qualité. Elles étaient à 3,95€. Ça, c'était autour de 2-3 euros. C'était pas donné, mais bon, voilà. J'ai craqué, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Coucou, on est dimanche, vous me retrouvez avec ma tête du dimanche, c'est-à-dire sans make-up. Aujourd'hui, ben, on a profité de cette belle journée encore ensoleillée, on a vraiment de la chance. Et surtout, j'ai trié mon make-up ce matin un petit peu. Ma fille est partie au cinéma avec Papounet voir le film de Pet Patrouille. C'était sa première fois au cinéma, donc c'était pour lui faire plaisir. Et je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai trié. Vous retrouverez toutes mes ventes sur mon Vite Vanity, sur ma page Facebook. Parce que c'est plus simple pour moi de vous faire des ventes là-bas et de vous faire des lots et tout ça que sur Vinted. Hein. Mais je vous rajouterai aussi mon Vinted pour tout ce qui est fringues si ça vous dit. Là, j'ai pas fait de photo Vinted, mais je pense que j'en ferai peut-être dans la semaine. Parce que j'ai quelques fringues aussi à trier. Ah, je viens de penser que j'ai oublié de faire tout ce qui est photo de vernis. Bon, bah sinon j'ai plein de vernis. Plein de rouges à lèvres, des palettes, des rouges à lèvres et quelques soins. Coucou, on est
On est quel jour aujourd'hui? On est mardi, mercredi? Mardi, hier j'ai pas filmé du tout parce que j'avais vraiment la flemme. J'étais en mode sans make-up, je m'occupais de mes crapauds. On est parti faire un petit tour quand même chez nous. Je vais vous montrer juste après ce que j'ai trouvé, mais j'ai pas trouvé des trucs de dingue. En fait, je suis allée parce que ma copine est là de Belgique, voulait des petites choses de la marque P2 et tout ça, mais je n'ai rien trouvé. Donc voilà. Je me suis occupée de quelques colis de ma vente de Vite Vanity dont je vous ai parlé dans ce vlog. Et bien merci pour toutes vos commandes, vraiment. Il reste quelques petites choses encore, donc vous mettrez le lien en barre d'infos si ça vous dit. Puis je vais préparer ça, je vais envoyer ça d'ici. Enfin, je vais essayer de me dépêcher et préparer ça ce soir quand mon chéri sera là, parce que c'est difficile de faire des colis corrects. Et je voulais vous montrer aujourd'hui, j'ai reçu la Degustavox, donc je me suis levée tôt, j'ai eu le temps de me maquiller un petit peu. Je me suis maquillée d'ailleurs avec la palette Colourpop que j'avais eue dans mon calendrier de l'avant avec Hello du mois de tout. Et je l'aime beaucoup. Il faut que je vous fasse une revue sur cette palette d'ailleurs, une étiquette, quand j'aurai le temps. J'ai reçu la Degustavox et je vais vous montrer mes petites trouvailles chez Nose. Bon, chez Nose, comme vous pouvez voir, j'ai craqué pour des petites choses, des colorations, parce que ils étaient vraiment pas chers à 2,23€, donc je me suis dit bon, pourquoi pas. J'en avais acheté une sur Beauté Privée. Je vous mets d'ailleurs par ici là en haut mon petit lien vers ma vidéo haul Beauté Privée où j'avais craqué pour pas mal de choses. Et j'ai trouvé ça pour mon tout ce qui est scrapbooking, memory planner. C'est de la colle en fait en stylo comme ça. Ils disent que c'est idéal pour le scrapbooking et ça m'a coûté 75 centimes, je crois, 79 centimes. Je connais pas du tout, ça doit être une marque espagnole ou quelque chose comme ça, mais bon, je me suis dit j'en prends deux pour tester. Avec ma fille ce matin, on a fait des beaux petits cookies. J'ai hâte d'en goûter un. Et je vous ai montré sur Instagram, ma fille, elle adore faire des recettes, c'est un truc de dingue. Et là, elles sont particulièrement réussies. Notre Degustabox du mois. Alors, je pense que c'est le mois de février ou mars, je ne sais plus, je suis perdue dans la Degustabox. Donc j'ai juste préouvert pour que ça soit plus pratique. Ouh, il y a l'air d'avoir des petites merveilles. Alors, spécial petit déjeuner. Donc, trop cool. Cette box. Oh là là. Oh bah, en plus, j'ai plus de jus d'orange. J'étais en train de me dire, ça, mon mari, il adore. Oh, c'est lui qui va être ravi. Bon, là, je me spoil toute seule. Mais ça a l'air pas mal. Donc, Waouh, il y a deux boîtes. Ah ouais, ultra généreux, là, des Gustabox. Deux boîtes de petits brossards comme ça qui ont l'air d'être des nouveautés. Donc ça c'est plutôt sympa, en chocolat et en framboise, donc ça espérons que mes enfants aiment et goûtent. Ah, ça c'est trop bien, au blé complet, trop cool. Donc parfait, en ce moment j'aime bien aussi les petites biscottes et tout avec du beurre salé, j'adore. Donc au blé complet c'est top, ça va servir. Ah bah il y en a encore, mais aux céréales et graines, bon bah c'est trop bien ça, ça va servir aussi. En espérant, bon elles avaient l'air bien empaquetées, mais en espérant qu'elles ne soient pas en miettes. Alors comme je vous disais, il y a deux thés de la marque Tetley et c'est les signatures. Et mon mari les adore, donc là c'est la version orientale, la version indienne. Ben, ça a l'air cool, ça je pense que mon mari va être ravi. Eh bien, si vous saviez comme mon mari va être ravi de cette box, je pense. Mes enfants aussi au passage, parce que c'est des nouveautés Haribo Love Licorn. Donc avec des petites licornes on dirait, ça a l'air pas mal, écoutez ma foi, je ne connais pas trop. Hein. J'avais même pas vu que ça venait de sortir, mais je pense que ça va plaire à mes enfants et mon mari qui est un grand mangeur de bonbons. Oh c'est trop bien, ils nous ont mis un petit verre, c'est trop cute. Oh, ça va être pour ma fille, parce que il est en plastique et c'est trop sympa. Mais alors là, la box, là, elle déchire. Et avec un joker pur jus à la pomme et à la poire et au multifruit. Cool. Bah ça c'est cool. J'ai pu là mon jus d'orange est sur la fin. D'ailleurs c'est un joker et très bon. Donc, ah non, c'est un joker ou c'est un Tropicana? Je ne sais même plus. Il est très bon. En revanche, la dernière fois, j'ai eu la mauvaise surprise de découvrir qu'un produit, une boisson qu'on avait eu dans la Degustabox était presque périmée en à peine un mois. Donc là, ça va, on a jusqu'à mai. Mais il faut faire attention, hein. C'est pas sympa s'ils nous envoient des produits qui durent que un mois. Je trouve que c'est bof. Alors ça, Biodine, mini lait, amande, chocolat. Ça, c'est ce que je prends le matin d'ailleurs, du lait d'amande au chocolat. Donc je sais pas si c'est dans le même style. Je ne connais absolument pas. Et on en a deux bouteilles. La deuxième, elle a la vanille. Elle a vanille. Amande vanille, pardon. Ça peut être sympa pour le petit déjeuner. Ah, des petites barres de céréales à la coco. Alors, j'en ai acheté de chez Action qui n'était pas bonne. Je vous avais montré dans mon dernier haul. Du coup, je vais pouvoir goûter celle-ci. Bon, ça, les pommes potes, moi j'adore, mais mes enfants aussi. Ce sont des pommes potes 5 fruits.
Banane, pomme, pêche, je pense, et poire. Donc c'est plutôt cool, ça. Oui, ça sert toujours de la marque Materne. Donc ça, je suis ravie. Vraiment, là, pour l'instant, il y a que des choses que je vais pouvoir utiliser. Et alors ça, ça m'intrigue. Et je crois qu'en plus, vous allez pas le croire, mais ma mère les a achetés en promotion il n'y a pas très longtemps. Je ne sais plus où, à Leclerc ou quelque chose comme ça. Et je suis en train de finir, justement, où je l'ai fini. Où il me reste une cuillère ou deux à finir dedans. De confiture de fraises à Purvia. Honnêtement, je suis pas ultra fan. Hein. Donc je l'ai presque fini et j'étais en train de me dire que j'en rachèterais pas, que j'étais contente d'utiliser autre chose. Mais voilà, j'en ai eu deux pots. Je ne sais plus à quoi aller là, mais je vais vous la montrer après. Et là, c'est à la confiture d'abricot. Donc je verrai quand même. Et voilà, je vous disais pas des bêtises. Ça, c'est la mienne. Donc comme vous constatez, il reste un fond. Hein, à la confiture de myrtille. Et je suis pas extrêmement fan. Après, c'est bon. Mais je sais pas, il manque un truc dans le goût, je trouve. Donc là, j'ai deux nouveaux goûts. Donc je verrai si je les utilise ou pas. Mais en tout cas, mis à part ça, la box est plutôt sympa. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Du coup, comme d'habitude, je vous mettrai un petit lien, pas du tout affilié ou quoi que ce soit, mais avec un code promo de -5€ si vous voulez craquer pour la Dégustabox, un de ces quatre. Et moi, je vais me manger un petit cookie. Oh, ils ont l'air vraiment, vraiment bons. Je vais me faire un petit thé et je vais me manger un petit cookie. Hey, mon mari vient de me ramener ça de chez Ikea. C'était dans ma wishlist sur mon blog. Hein. Je vous remettrai le lien si ça vous dit d'aller la voir, cette wishlist. Cette folle wishlist. Bon, ça, c'était un des trucs les moins chers qui était sur mon blog. Et du coup, ça vient de chez Ikea. Et bien, je vais pouvoir les installer dans ma petite... j'ai une petite étagère où je voulais les mettre. Donc, je vais faire ça tout de suite. Et voilà, c'est installé. C'est dans mon couloir, en fait. Et là, c'est ma chambre. Et là, vous avez ma coiffeuse avec tout mon maquillage. Enfin, ma coiffeuse, n'importe quoi. C'est mon meuble Ikea avec toutes mes petites réserves de maquillage. Je vous en ai déjà parlé dans un vlog. Et du coup, voilà, j'avais envie de mettre un petit peu de verdure ici. Je pense rajouter des petites choses ou modifier. Mais pour l'instant, je suis plutôt contente des petites touches de vert, là. C'est pas mal. Je viens de recevoir un petit colis. Je suis trop, trop ravie. Comme vous savez, là, en ce moment, mes ongles, c'est une catastrophe. Là, j'ai mis des faux ongles de chez Kissing Press que j'aime beaucoup. Ils vont bientôt partir, là ça fait presque 2 semaines que je les ai. Mais du coup là je suis trop contente, je viens de recevoir toute une routine là de la marque Sally Hansen, qui est une marque américaine que j'aime particulièrement. J'avais testé quelques vernis il y a très longtemps, mais voilà, je suis trop trop ravie de pouvoir les tester. Là déjà on a un soin pour les ongles, je sais pas si vous verrez bien. On a un soin qui répare les ongles et les cuticules secs et déshydratés, donc ce qui est bon cas. Hein. Ensuite, on a un top coat gel et 3 vernis qui ont des couleurs plutôt sympas. Je suis pas ultra fan du rouge, mais pourquoi pas le tester. Après, ces deux-là, pour l'été et celui-ci dès maintenant, ce sera parfait avec un effet gel comme ça. Donc ça, je pense que je vous en parlerai dans une nouvelle vidéo quand je les aurai mis sur mes ongles. Mais j'ai hâte. J'ai tellement hâte, je les ai reçus de la part de la marque et de la part d'Octoly aussi. Et je vous avoue que c'est la première fois que je reçois des produits Sally Hansen. Et j'en suis je suis contente de les avoir reçus. Hein. Comme je vous dis à chaque fois sur Octoly et tout, c'est des choses qu'on choisit. Ils avaient aussi toute une gamme pour les soins des ongles qui m'intéressait aussi particulièrement parce que j'ai vraiment les ongles abîmés en ce moment. Mais déjà, je vais tester tout ça. Et surtout ce petit soin-là là, qui me plaît beaucoup. Si vous ne connaissez pas cette marque, n'hésitez pas à aller la découvrir aussi. Hein. Et puis comme ça, on dira nos avis en commentaire. Hello, on se retrouve jeudi aujourd'hui. Non, mercredi. Oh, mais je suis complètement perdue dans le timing aujourd'hui. Quand c'est les vacances, il n'y a pas l'école pour ma fille, etc. Donc on est mercredi, aujourd'hui, ce matin avec mes enfants, on a bien profité, on s'est bien amusé à la maison, il fait une météo de dingue, je sais pas si c'est vous, c'est pareil, mais ici, belle météo, même dans le nord, oui, il a fait beau depuis 2 semaines et demie, c'est trop trop bien. Du coup on est parti se balader, on a été à la bibliothèque, je vais vous montrer un petit peu les livres que je prends avec mes enfants, alors je les laisse beaucoup choisir, mais on va dire que j'oriente un petit peu, donc là on a pas mal craqué à la bibliothèque, et il y a des petits livres qui sont plutôt sympas, donc par exemple celui-ci, il y a un monstre dans ce livre de Tom Fletcher, en collection... édition Milan, et honnêtement ils sont vraiment pas mal du tout. Je viens de leur lire tout à l'heure avant la sieste et ils sont ils ont trop adoré. Celui-ci, La carotte géante de Alan Metz, celui-ci je connaissais déjà, je crois que c'est l'école des loisirs d'ailleurs, c'est une édition que j'adore et que je collectionne. Ensuite on a pris Le loup gris parce que ma fille est en phase avec l'école, il travaille beaucoup sur le loup, donc voilà, de chez Milan Jeunesse, j'ai pas encore lu donc Ça risque d'être pas mal, ça c'est ma fille qui a choisi. Le nuage policier de Christophe Niemann, que ma fille aussi a choisi dans les éditions École des loisirs, donc ma fille a très bon goût en livre. Hein.
Pour mon fils, on a choisi ce livre-là, qui est un livre musical, Les instruments de musique de Géraldine Cosno. C'est un livre à toucher et un livre aussi qui fait de la musique aux éditions quoi. Deux coques d'or. Je connais pas du tout cette ligne d'édition. Moi, je suis une grande fan de livres, hein, et puis c'est vrai que la bibliothèque, elle est vraiment bien fournie ici, elle est plutôt pas mal. Ensuite, de chez Milan Jeunesse, on a ma ferme à toucher, donc c'est, vous savez, les livres avec les animaux, ça c'est pour mon fils qui pourra toucher et tout, ça lui plaira bien, donc plutôt pas mal dans les éditions de Milan. Ensuite, ça j'ai pris, c'est un cherche-trouve pour mon fils ou ma fille plutôt, peut-être, où est cachée Lily, donc la petite souris, aux éditions Grund, ça c'est une édition que j'aime beaucoup, qui font les livres aussi musicaux, donc ça, ben, ça va être cool. Et pour finir, on a pris deux grands livres. Le loup en culotte de Lupano Itoïs Coe, en édition d'Argo. Donc je ne fais pas du tout cette maison d'édition. Et le dernier, J'habite un loup. Hein, comme vous avez constaté, ma fille est à fond dans les loups. De Jean-Marc Lang aux éditions Et l'envers. Donc voilà, moi je suis une grande fan. Je vous prépare d'ailleurs une vidéo, je pense faire ça très prochainement. Dès que j'aurai un petit peu de temps pour la préparer correctement, une vidéo sur les auteurs que je vous conseille en littérature de jeunesse, en tant que maîtresse et en tant que maman aussi, pour vos enfants. Peut-être j'essaierai de faire ça par auteur ou par niveau, je vais essayer de voir ça. Et beaucoup de la collection École des loisirs, parce que c'est une des collections que je préfère dans le plus, hein, on va le dire. Hein. Il y a tellement des belles références. Donc ça, c'était pour vous montrer nos petits livres à la bibliothèque. Et là, bah, je vais préparer mes petites cartes pour mettre dans vos colis, qui sont quasi tous prêts. Donc je vais rajouter mes petites cartes, mettre mon petit tampon avec ma petite tête qui vient du site Crazy Little Craft. Je vous en avais déjà parlé aussi, donc ça je vais mettre mes petits tampons à la fin en tant que signature. J'ai pris mon tampon aussi, ma Versa Fine. D'ailleurs j'avais pris aussi un petit truc en plastique, mais j'ai dû l'oublier là-bas, j'allais le chercher. Donc je vais préparer ça aussi, et comme ça je vais pouvoir vous poster vos colis demain ou après-demain. Mettre ça à la poste et à Mondial Relais. Et puis ben voilà, j'en suis ravie, j'ai vraiment quasi tout vendu. Honnêtement, vous êtes des dingues, mais bon, après je vends vraiment pas cher, le but c'est de me débarrasser. L'argent que je récupère, c'est souvent pour essayer de vous proposer des super concours, des choses comme ça. Sachant que là, on a dépassé les 35 000, peut-être qu'aux 40 000 abonnés, je vais proposer d'avoir une carte cadeau ou de gagner une super palette, je sais pas encore. Je vais regarder ça, donc voilà, tout cet argent-là, je le garde pour ça aussi. Et puis ma foi, voilà pour ce petit vlog. N'hésitez pas, je ne sais pas quel temps il va faire, en espérant qu'il ne soit pas non plus de 40 minutes, mais n'hésitez pas dès maintenant à liker cette vidéo, à vous abonner, c'est pas encore le cas, hein, à activer cette petite cloche, hein, dont je ne vous parle jamais, parce que ben, il faut l'activer, il y a des abonnements parfois, surtout sur Instagram aussi, il y en a qui sont abonnés, puis d'un coup ils sont plus abonnés, même dans mes amis proches, quoi. Donc bon, n'hésitez pas à activer la petite cloche, etc. pour YouTube. Et puis à me rejoindre sur les réseaux sociaux comme d'habitude. Je vous fais des gros bisous. Je ne sais pas si ce vlog se clôturera là ou pas. Mais en tout cas, je vous fais déjà des gros bisous.